Ça on fait YouTube, je suis Suzucube et je suis super content de vous retrouver pour une petite partie de Pokémon Quest. Pokémon Quest. Alors Pokémon Quest, c'est le nouveau Pokémon qui est sorti sur Nintendo Switch et qui doit sortir sur console portable aussi. Pas de bêtises. Sur console portable. Qu'est-ce que je raconte? Il doit sortir aussi sur téléphone mobile. Et en fait, c'est un mini RPG dans lequel vous avez des quêtes. Donc, hop, on va commencer par un autre truc. Alors, dans cette caisse, on peut mettre à bouffer. Genre, on peut mettre des trucs à bouffer. Et quand on fait cuire des trucs, que des trucs rouges à cuire, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Avec la souris. Ah, je peux plus en mettre des comme ça, on va mettre un gland pour terminer. Et cuisiner. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est quand même très créé pour être joué au tactile. Donc là, il me faut 4 jours pour que ça cuise. Et quand ça cuit, en fait, ça fait une odeur. Au bout des 4 jours rabote des Pokémon et c'est comme ça qu'on les attrape. J'ai un Pikachu, un Chetiflore et j'avais un Rattata et je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc qui a fait qu'il s'est barré. Voilà. Donc pour faire passer les jours, c'est assez simple, on fait les quêtes. Pour l'instant je peux faire que cette zone là. J'ai un niveau, donc le boss, on demande que nos Pokémon aient 850 de niveau minimum. Donc à 850, à 818, je devrais mourir. Ouais, c'est quand même, mais théoriquement, ça devrait me faire mourir. Voilà. Normalement, il aurait fallu que je prenne un peu dessus. Les Pokémon se dirigent tout seuls, en fait. D'ailleurs, t'as un mode full auto. Donc en mode full auto, comme tu fais là, même pas la manette, ça joue tout seul, en fait. Là, les Pokémon ils font leurs attaques tout seuls et ils peuvent taper les ennemis tout seuls. Si je veux pas que je sois en mode auto, j'arrête. Mais en fait, chacun de mes Pokémon, j'ai un truc d'arme. Donc lui, il a tranchère, lui, il a tonnerre, lui, il a éclair. Et donc, bien sûr, les priorités marquent. Hop, les oiseaux, un petit coup d'éclair et de tonnerre. Hop, on va faire un petit éclair, un petit tornade. J'avais pas vu aussi, en fait, quand tu fais Pikachu avec un Pikachu, il fait les deux attaques en même temps. Non, il fait une des deux attaques, c'est toi qui choisis. Mais le cooldown est pour les deux attaques. Hop. Hop, initial. On a vu ce que c'est que ça. Je connais même pas. Ah, c'est pour fuir, d'accord. C'est pour fuir, mais on fuit pas ça. Je vais remettre en dessous. On va se mentir, des petits Pokémon comme ça là. Bof, bof, bof. La chute, ou quoi? La barre en bleu, vous avez compris, chacun des Pokémon, c'est ma barre d'énergie. Alors, moi, comme c'est des petits Pokémon, je veux pas trop me fatiguer, surtout pour le. En haut à droite, on voit ma progression dans le niveau. J'ai récupéré, vous avez vu, un petit fruit qui va me permettre de capturer un niveau Pokémon. Ah, c'est le boss. Donc pour le boss, qui est un Rattata, j'ai évité de me mettre en auto. Voilà, on va passer. Hop, on va s'éloigner. On va recevoir un niveau. Les motos ils font moins de merde que moi. Et à la question, est-ce que c'est le meilleur jeu au monde? Clairement non. Est-ce qu'il est stratégique? Un peu. Disons que
c'est un jeu qui demande pas forcément beaucoup d'interactions, un peu comme les clickers. Vous connaissez, si vous connaissez Clicker Heroes par exemple. Je crois que j'y avais joué Clicker Heroes, hein, il doit être dans mes let's play. C'est le genre de jeu où en fait tu fais de l'optimisation. La pierre de prolifération qui permet de faire évoluer plus vite les Pokémon au niveau 5. Dernière équation de la zone. Du coup, je vais pouvoir passer à la zone suivante. Et en fait. Ah, mais il y a deux zones déverrouillées, c'est bien ça. Et en fait. En fait, toute l'île, c'est juste ça. Donc là, je suis au niveau 2 et 3. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 niveaux. Donc là, je vais arriver au niveau 2. Et dans chaque niveau, il y a... Ah, il y a des achats in-apps juste là. C'est un cadeau, hein, je vais pas reculer là. D'accord. Toutes les 22 ans, on reçoit 50 coupons. Les décorations sont des objets qui facilitent grandement l'exploration des lieux. Elles disposent d'effets spéciaux qui s'activent quand on les dépose. D'accord, on peut acheter des trucs. Ok, ça va pas être les ingrédients les plus vite. On va deux fois plus d'ingrédients rouges. Ça va pas être les ingrédients bleus. Les ingrédients bleus aussi. Jaune. Jaune pour deux. On va passer de la batterie comme ça. Chance d'attirer plusieurs Pokémon avec un plat pour 1,5. 400 quand même. Nombre d'ingrédients obtenus pour un spot. Taux de réussite du taf. On va rien acheter du tout, mais on peut acheter des éléments qui permettent de tricher, hein, disons les choses comme elles sont. Tous les jours, on avait aussi des défis. Là, j'ai essayé le défi du Day Trade. Hop, on a reçu une GMT. On a eu une capacité. Et en secondaire, bah ouais, c'est ça. 50 Pokémon de type normal. On va voir les champignons. Et si je retourne là où je vous avais vu à notre base, vous allez voir que voilà, je suis à 1 sur 4. Vous avez atteint un objectif. Je sais que j'ai atteint un objectif. Hop là, on va obtenir encore des coupons. J'en ai vraiment beaucoup du coup. Ouais, et en fait, si je veux que ce soit prêt tout de suite, je peux utiliser 30 coupons au lieu d'attendre de faire 4 missions. Détecteur d'objets. Non, les décorations, je vais pas les mettre. Ah si, je veux. Statut de profilération. D'accord. On peut tourner notre statut dans le sens qu'on veut. On va mettre face à nous et ça, ça doit être pour la supprimer. On va éviter. Ah, ici des objectifs, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah ouais, aménagement de la base. Et je vais pas mentir, c'est pas super agréable à jouer à la manette parce que, en fait, on dirige le petit curseur et tu sens clairement que ça a été fait pour les téléphones mobiles, quoi. Ou pour jouer avec la Switch en mode tactile. D'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi il est sorti sur Nintendo Switch. Ouais, j'aurais vraiment pas imaginé sur Switch.
tu m'aurais montré, tu m'aurais dit ça sort sur Switch, j'aurais pas compris. Pire que ça, dans ce cas, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas Super Mario Run sur Switch. Et voilà, et là je suis en full autant, je vous ai dit. Les doigts de pied en éventail, et si je regarde se battre, je me pose la question, est-ce que. J'ai pas fait les bons choix, j'ai oublié de les faire. J'ai cru voir qu'il fallait être niveau 1000. Je suis même pas sûr d'avoir les bons types de Pokémon. Ouais, ils sont défoncés les Pokémon. Ah mais ils sont défoncés de ouf. Pikachu s'en sort plus ou moins bien. Et mon petit chétifleur là. Ah, c'est le boss. Pikachu il a foutu des ratards. Le truc il a encore raté. Les attaques ont fait tout là. Voilà. Pikachu retourne dans sa Pokéball. Après, c'est pas trop mal. Votre équipe est à bout de force. Vous pouvez utiliser des BP pour récupérer les objets dénichés. On va rester dans le sol. Ah, j'ai niqué mon truc, j'ai niqué mon truc. Et tout s'est pris un niveau. En plus, on peut y jouer sans le BP. C'est quoi ça, 4 sur 5. D'accord, c'est ce qui nous permet de recharger la batterie. Donc toutes les 27 minutes, je peux faire une nouvelle mission. Si je veux pas, je peux recharger avec des BP, que j'ai acheté d'habitude. Sur le store de Nintendo. Puisque c'est un free to play, je rappelle. Et gratuit. Je trouve pas super addictif, mais. Alors, 2 sur 4. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que chaque Pokémon peut être customisé. Vous voyez, vous avez des pierres. Là, je suis sur Roucoule. En fait, Roucoule, il a un cœur et je peux rajouter. Hop. Et du coup, il passe à 185 de PV. Et plus je personnalise mes Pokémon. Il y a des formes pour les pierres. Du coup, hop. Pierre de la capacité. 73, putain. Ou plus. 82 même. Voilà. Et au fur et à mesure de la révolution, ça débloque des emplacements. Là, ce que je lui mets, c'est des gemmes de puissance pour qu'il soit plus puissant. Ça, on va aller revoir ce boostiflore. Je sais pas si on va aller. Tout le racle. Le bouton recyclage, je crois que ça permet de gagner des aliments pour que tes Pokémon viennent.
Alors, non, 1005, c'est trop chaud. 1000, c'est 949. Ça passe. Moi, je dis, ça passe. Par contre, cette fois-ci, on va pas se mettre en piloto. Non, on va faire nos attaques. Ouais, que chier. Franchement, j'aurais dû faire un peu chier, mais j'ai pas de... J'avais un Rattata et je l'ai fait entraîner Pikachu. Là. Si je meurs, je vais dépenser mon argent pour... Mais je vois bien que niveau énergie, je résiste beaucoup. Les Pokémon oiseaux n'ont pas fait ce que c'est merde. C'est pas par quel miracle. Cette fois-ci mon gars, je vais tout. Attends, on va prendre la main. Ah il va se retrouver aussi mon petit histoire. Je savais pas que c'était un qui va se retrouver là pour ce jeu. Voilà, j'ai gagné. Comme quoi ça jouait pas avant ça. Et du coup, ah, il a pris un niveau. Plus 84 et plus 83 en endurance. J'ai gagné plein de gemmes de cœur. Du coup, hop, petit fort. Je pourrais lui mettre des gemmes de cœur, ce qui ferait ça beaucoup plus fort. Du coup, je préférerais déjà voir qu'est-ce que Pikachu a. Il n'a que 66, on pourrait mettre un 84 avec cher Pikachu. Notre... C'est le boostifleur du coup qu'on va mettre en plus d'énergie. 66 de la attaque trop chère. Si je vais la recycler. Voilà. Pour recycler, je vais recycler 50. Le Pokémon n'est toujours pas live. Donc là je vois qu'on est à 1200. Là on est à 1100. Ne soyons pas idiots. On va attaquer le livre de type 187. Allez go. Là on va se mettre en full auto. Parce que vu qu'on est plus fort que ce qu'on nous demande, à tous les coups on va gagner. A noter que j'ai un truc qui a que les 150 Pokémon. C'est des Pokémon que j'ai connu de la génération. Vous êtes les plus jeunes connaissent une autre Pokémon, mais moi je connais un autre. Ça, c'est pas du... Ah, j'ai oublié leur nom.
de recoller un nom, mais je ne sais pas du tout. Ramelot, des Ramelot. Ça m'est revenu. Ça, c'est des pois sirènes. Flagados, le gars. Mais j'ai un peu quand même les gars. Par contre, j'aimerais bien que Pikachu a des attaques circulaires. En fait, heureusement que j'ai mis le mode autant sur smartphone. Ouais, c'est facile à faire. Je vais pas avoir la tête là. C'est visé comme un vidéo. Parce qu'il y a plus facile. On va pas se mentir. Voilà. Putain, plus 93. Ah, on va le customiser. Paint my Pikachu. Hop. De puissance, ouais, tout. Voilà, on va paint les 87 par exemple, c'est parfait. Ouais, tout long, mais... Par contre, je vais pas le. Parce que si je recycle trop de trucs, je vais avoir des emplacements que vous pouvez bien vous expliquer. Si je reviens là, là, et lui, là, j'ai bientôt un nouvel emplacement de cœur. Par contre, ça fait 4 combats qu'on fait. Donc si on va, hop, à la base, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux pas atteindre le... On l'ouvre. Et là, voilà. Il y a Ragout Rouge 3D. En fait, lorsqu'on fait ça, ce qui se passe, ça attire les Pokémon. Putain de pourri. Lorsqu'on a le Porygon, le Pokédex, 4 jours pour un Porygon, merde quoi. On peut aller dans notre équipe et on va équiper le Porygon à la place de du Chétifort. Je vous avoue que j'aime pas le Chétifort. Il est niveau 4, sachant que le Chétifort était niveau 11 quand même. Ouais, il est niveau 4, mais tu sais le truc, il est plus balèze que le Chétifort. Là dans l'autre exercice, on va pas faire d'exercice cette fois-ci parce que tout à l'heure j'ai fait un exercice et ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu le Pokémon. Alors si je retourne là et que je vous montre, ouais, les Pokémon de soutien s'en iront à la fin de l'exercice. Par contre, ça permet avec des petits Pokémon de renforcer nos Pokémon plus grands. Alors je pense que c'est pratique quand on a déjà bien avancé dans le jeu et là je ne veux pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que... Hop là, on va aller sur le Porygon. Porygon. Et sur le Porygon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lui mettre. On peut lui mettre de la force. C'est la chute. Ah, merde. Si, j'ai deux forces. Mais attends bien, parce que t'as vu, le chef, il peut pas prendre le truc du chef du fort. Voilà, il est super fort. Alors, la question est... Retourne aux quêtes. Ah merde. C'est pas. En fait, avant de partir. Astuce, hein. Quand votre marmite est vide, c'est jamais bon. Donc. Faites ça. Que de la marmite. Ouais, je sais que le con doit attirer par. D'accord. Il y a apparemment un endroit. Où on peut voir les recettes. 3D rouge
Ah d'accord, on doit les faire nous-mêmes. Et une fois qu'on a fait des recettes, ça nous explique. D'accord. On va mettre que des jaunes. Uniquement des jaunes. Même si on sait déjà qu'est-ce que ça va faire, ça va faire un million. Ça va faire un. C'est quoi, un bouillon 3D. Un goût rouge 3D. Ça va sûrement faire. Voilà, utiliser une grande majorité d'ingrédients rouges. Donc ça va faire un ragoût jaune. Quoi. Donc, hop, c'est parti. Oui. Voilà, donc là, ça fait un ragoût jaune. Par contre, ça prend que deux. C'est cool ça. Que deux, et justement il nous reste que deux parties à faire, donc on va se les faire. Là on est à 1300, ça c'est 1600, je vais les défoncer. Là il va jusqu'à combien, 1700. On va commencer par défoncer du monde ici. Et c'est là où ça va être difficile à évaluer comme jeu, parce que franchement quand je joue sur mon téléphone portable, ouais, c'est exactement le genre de jeu qui est bien, comme Fire Emblem aussi. C'est le genre de jeu où t'es pas obligé tout le temps sur ton téléphone en train de regarder H24, et du coup, pour Rigo, il peut pas frapper. Rigo, il déconne ou quoi? Parce que j'ai oublié de mettre le jeu en auto. Et puis tout à l'heure, le Pokémon il me frappe. Mais... Oh putain! Est-ce que tu ne soignes pas? Le Pikachu il va mourir. Parce que le Porygon il s'en bat les couilles de soigner. Allez, soigne! Non, il gague. Le Porygon n'a pas soigné mon Pokémon. Que ce soit lui-même. Mais non, il soigne. Ah mais dans ta cruelle, tu vois, Pikachu il revient, il est mort. Voilà. Là qu'il a accompli le cruel. Ça. Quel coup il m'a reçu. Donc Pikachu, c'est la race. Bon, Hugo, il est putain de la chien en fait. Il a plein de vie. Mais tout ce qu'il fait, c'est il donne des petits coups. Moi il meurt pas, tu me diras. C'est toi Pikachu pour revenir plusieurs fois. En fait, tu craques une étoile. On va se mentir. Très bizarre. Mais ça marche, écoute. Tant que ça marche. Par contre, je me demande s'il y aura la crosse sauvegarde. Parce que moi, sur mon téléphone portable, j'ai pas envie de recommencer le jeu. Donc, on va y jouer sur notre Switch pour l'instant. C'est ce genre de jeu qui peut être sympa. Soir, on a dormi. Attends, Pikachu, il a quoi? Il a 84 de. Il a 161 de vie, c'est bien. Je sais pas pourquoi il meurt autant. Ah, j'ai une attaque plus 112 quand même. La plus 112, on va le donner à. C'est notre recul, parce que je sais pas pourquoi j'ai bien le recul là. Porygon, hop là, on est là. Porygon, on va lui donner plus 87. Parfait. Parfait, c'est parfait ça. Le Pikachu, je vois qu'il m'a assez souvent. 1600. On va faire le connard, on va à l'endroit à 1200, histoire d'être sûr et certain de gagner.
Là, t'es sûr à 200% qu'on va gagner. Donc, on est bien en auto. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a que ça intéresserait, mais je pourrais faire un petit. Genre, comment optimiser ce Pokémon. Hey, la tête d'œuf. Comment ça s'appelait comme ça? Il y a quoi ces Pokémon à l'époque? Par contre, je trouve pas ça cool le cooldown sur noix de coco qui est une meuf évoluée. J'aime pas trop le fait que je peux me revenir sur la triche. Bah, en plein, en fait, c'est une bonne. Ça existe en fait, il n'y a pas de son soigné. C'est une game en fait. Regarde là, je. Je rigole quand tu restes avec moi, comme tu as dit, le problème de revenir. Il y a juste le cooldown quand il meurt. Et là, il va ressortir quand c'est tout bien. Là, j'aime tous les combats. Après, c'est un hasard complet parce que j'aurais très bien pu ne pas avoir de Porygon. Et quelque part, c'est de la chance que j'ai eu le Porygon qui fait que. Ah, Pikachu va enfin arrêter de mourir, putain. Enfin, Pikachu va arrêter de mourir. Parce qu'enfin, on va pouvoir redonner à Pikachu. Hop là, qu'est-ce qu'on va lui donner? Un cœur supplémentaire quand t'as hâte de mourir. On a trop coup, c'est la rose sur quoi. Recoup, on va pas évoluer. Oui parce que les Pokémon évoluent en fait. Là c'est aussi un cœur, j'en ai plus. Et là j'ai été con parce que j'ai zéro cycle. Ouais. On va aller dans les objectifs. La cuisiner débutant, plus 5. Les gemmes, absolument. Alors visiblement il y aurait une boutique Pokémon. Bah, du coup j'ai 400 gemmes à récupérer parce que je les récupère jamais depuis tout à l'heure. Ah putain, je sais pas comment est calculé le côté free to play, mais jusque là j'ai rien payé du tout. Alors dans 5 minutes ma batterie sera rechargée. En attendant, je voulais aller voir cette boutique. Voir s'il y a moyen d'acheter des trucs. J'ai qu'une statue de la prolifération. J'étais là tout à l'heure, en plus, sans faire exprès. Non, il n'y a pas de boutique. Y'a pas un endroit où je peux acheter Sylvain Pokédex. Le Pokédex pour aller voir les Pokémon. Il est horrible ce Pikachu. Il est
vraiment horrible. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'aurais bien que 150. Il y a ça. Il y a mon polygone qui est sous-marin. Je vais nous faire une icône pour chaque Pokémon. Ah, la boutique elle est peut-être là. Ouais. Voici des décorations payantes uniquement disponibles en côté de tout sur Nintendo eShop. J'en veux pas moi. Oh, on t'offre un pack. Si vous achetez les 3 lots d'aventuriers contenant les maquettes Pokéball, vous recevrez la maquette Poké Master Ball en cadeau. Vous voulez voir combien ça coûte? On regarde hein. Mais je crois que c'est assez cher. J'ai cru voir un pack à 17€. 17,99€, truc comme ça. Voilà. Donc c'est 5€ le pack aventurier, 9,99€ le pack super lot aventurier, 17,99€ le hyper lot aventurier. T'as des gemmes multi-tirs à 10,99€, t'as des gemmes éco à 2,99€, et t'as un lot pack aventurier 3 en 1 à 29,99€. C'est pas forcément hyper cher, mais pour du contenu. Ouais, vite fait comme ça, ouais, c'est mouep. Cela dit, moi, il y a un truc qui m'intéresse quand même. Non, je vais pas le faire pour ça, la mèche. Point d'expérience fois 2, c'est intéressant. Vraiment rien qui m'intéresse. C'est ouf hein. Ça m'intéresse pas du tout ces trucs là. Il y a juste ça qui m'intéresse parce que bon, si avec un plat je peux avoir plusieurs Pokémon, ce serait vraiment sympa. Bon, acquérir 20 Pokémon de plus, je vois pas l'intérêt hein. 20 gemmes de plus, je vois pas l'intérêt non plus. Je les remplis pas encore pour le moment. Quand je les remplirai, on verra. On va ouvrir notre fameux plat. Voilà, curry jaune 3D, c'était évident. Et du coup, qu'est-ce qu'on va attirer avec ça? Oh non, pas un miaouz. Un putain de miaouz. C'est un putain de miaouz. Niveau 4, 128. Avec une attaque de merde. Par contre, il a une zone, on peut mettre soit de l'attaque, soit de la vie. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, il reste 1 minute 18 avant d'avoir notre prochaine excursion. On va faire cette prochaine excursion et après ça, on va se quitter. En attendant, on va essayer de se faire un petit mais. 47, putain. Il y en a plusieurs, non? Ouais, je peux en mettre plusieurs. Vu que j'en ai 44, ça fait chier. On va en mettre 3 dans chaque... Ah, ils avaient pu écrire le nombre de trucs qu'on a foutu dans chaque case, quoi. Ah, mais moi, est-ce que ça sert à quelque chose de foutre 50 fois dans le même truc? 25, 38. Ça
bien en compte, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la grosse glaceuse. Ça. Ça. La roche glaceuse à nouveau. Et encore un comme ça. Hop, c'est parti. Vous, vous ne verrez jamais à quoi ça ressemblera, vu qu'il en faut 4. Vous avez vu, j'ai gagné une seule énergie. Dans une demi-heure, j'aurai une autre énergie. Oh, je suis à 700 à l'aise. À l'aise. Mais moi, j'ai pas forcément envie de payer pour que tu vas jouer. Ce genre de jeu que tu vois, t'as 50 jouer avec la Switch, ça fait tout pour jouer au jeu. C'est pour ça que je trouve que c'est plus adapté au téléphone mobile. Mais si j'étais sur mobile, t'avais genre 5 jouer. Tu sors ça, tu fais ton petit rush, tu fais pas un petit Pokémon. Là, bam! Écoute, je soupçonne vraiment que ça va être de la merde. Autant la chance. Sur les ans, je vais devoir avoir un peu de temps en jeu, sauf que c'est. En fait, le truc, c'est que le fait d'avoir une sorte de barre intérieure, c'est que je prends plus de temps à tuer. C'est pas forcément l'optimal, hein. Et, on va pas être l'optimal, mais c'est toujours mieux que Miao. Parce que Miao, là, ça va un moment. Comme jeu, hein. Là, je suis en train de jouer à un jeu. Peut-être j'aurai des écrans de carrément. Je suis mystère. C'est longtemps que j'avais pas vu. Voilà, ça y est, là il y a le boss qui va arriver. Et c'est justement un boostiflor. On parle du mot. Voilà, Pokémon, t'as pas vol, tornade, c'est bien une attaque de vol. Ouais, c'est bien mal. C'est bien mal, c'est bien la bonne. Mais t'as fait trop le gun. Je crois qu'il est full life, hein. C'est fou. Chaque fois il meurt. J'aime pas où je trouve. Ah ouais merde, j'ai pas fait le passage de level. Une gamme de puissance à 107. Donc voilà. Ah, le détecteur de jeu. Dans des quêtes et des places sur les groupes en même temps que je vais vous faire une prochaine quête, on trouvera à coup sûr une GMP rare dotée d'un effet spécial. Génial, merci. On verra ça plus tard. Et bien, voilà. Dans 25 minutes, une prochaine vidéo. Là, ça veut dire que c'est 30 minutes. 25 minutes. Ah non, mais je vais économiser. C'est des trucs, c'est 15. Mais
Et sinon, on va renforcer un peu notre Pikachu, si on peut. Non, Pikachu. Ah non, oui, c'est à 112. Ah, c'est le temps de la capacité mystique pour ça. Je peux mettre ça sur... Peut-être qu'on aura un autre un jour. Enfin voilà, c'était ma petite partie de ce Pokémon Quest. Alors, on le décrit comme un RPG. Moi, je pense que c'est plus un clicker hero life. Je ne sais pas encore si je vais faire un test dessus, parce que je suis submergé par le test, mais je ne vais pas vous mentir, j'aimerais bien faire au moins un petit test. Enfin, ce jeu qui est original en fait, hein, qui est pas... il est sympa, il n'est pas forcément adapté à jouer à la manette comme je suis en train de le faire là, mais c'est tactile, ouais. Ça me fait. Après c'est un prix tout plein, il faut prendre des choses comme elles sont, c'est un jeu gratuit, je vais pas... blâmer ce jeu d'être un Pokémon du pauvre, hein, parce que c'est un peu le cas, mais c'est toujours sympa d'avoir tout ça, surtout que c'était pas un jeu prévu, donc ça lui a juste sorti comme ça juste après la conférence Pokémon, et c'est comme une espèce d'amuse-gueule sur la Switch en attendant Pokémon Let's Go, et Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli, je sais pas lequel vous allez choisir, mais moi je pense que je vais prendre les Evoli, parce que j'ai trop de trucs Pikachu chez moi. Maintenant je suis tellement Pikachu. Enfin voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très vite à tous et à bientôt sur otakugame.fr.